Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, aujourd'hui c'est la dernière, et vous ne rêvez pas, il y a Greg qui est là. Il a pris une journée aujourd'hui. Il est jour de vieux. C'est ça en fait, c'est un jour de vieux, comme ils disent. Ah, lève-la chérie, on attendait Loulou, il arrive justement. Et on a un beau petit Loulou qui est là avec son petit... C'est pas un pyjama, c'est un jogging en fait, que je lui ai acheté. Qui peut mettre aussi bien en pyjama qu'en jogging, voilà. Et là il est avec son beau tenue, hop. Qu'est-ce que tu fais? T'es beau, il a tiré par mes tasses. Hein? Qu'est-ce que tu veux mon amour? Hein? Tu veux la tasse? Mange ta gaufre. Attends, je te prends un bras. Tu veux quoi? Un bras? Là, c'est qui là? Regarde, c'est qui là? Coucou! C'est la tasse que tu mets à papy? Tiens, papy, je te nourris. C'est bon, papy? Il va t'aider à la mettre dedans, gars. Parti. Il partage toujours lui. Hein? Un petit bout pour lui, un petit bout pour le chien, un petit bout pour papy. Merci. Il monte ranger le linge avec son papy. On était en plein en train de faire les routines quand ils sont arrivés. Il est tôt, hein, il est 9h30. J'ai pu dormir du coup ce matin. J'ai fait la grasse mat. J'ai dormi jusqu'à 8h. C'est rare de moi. Hein. Donc du coup, Greg là va aller à propotager je pense. Moi il faut que je commence les préparatifs pour le brunch de demain. Je voudrais faire mes crêpes mille trous et mon sirop de babeurre. Pour mettre dessus, je pense que ça irait très très bien avec. Il faut que je réponde à vos commentaires, il faut que je réponde à mes mails, et il faut que je finisse ma cuisine. J'ai juste mes sols, je suis en train de laver les tapis, les plaids sont en train de sécher, c'est ce que je fais souvent le vendredi. Et puis ben là je vais me mettre à quatre pattes, je vais faire les sols correctement, ça va aller vite. Et même si Loulou est là, ça va pas gêner. Et puis après, ben, j'attaquerai. Logiquement, ce midi, il me reste des épinards d'hier. Je pense que je vais faire des œufs florentines ou voilà, un style comme ça. Et puis ce soir, ah, c'est de la bolognaise. Il faut que je fasse ma bolo aussi, que je fais la mijoteuse aussi. J'ai du travail ce matin, j'ai du travail. Donc tout ça avec un petit bout aussi à s'occuper. Donc on va carburer. On va profiter. Greg est encore là. Je vais déjà faire mes sols. Enfin, je dis petit monstre, mais au plus il grandit, au plus il est... En fait, tant qu'on l'occupe, il est super sage, quoi, en fait. Il touche, comme là, il touche même pas la déco. Enfin, on voit qu'il a passé l'âge, quoi. En fait, ça l'intéresse plus. C'est plus maintenant l'âge de Noé. Là, quand Noé vient, il aime bien toucher à ma déco, les trucs comme ça. Mais là, il touche même plus. J'ai même pas besoin de mettre en hauteur. Les escaliers, il s'en fout. Il monte, il descend une fois et après, voilà, basta. Voilà, il a vu qu'il y avait personne en haut et... Il passe à autre chose. Non, franchement, ouais. Là, on a joué. Et puis, là, quand elle est arrivée, ils étaient en train de regarder ses chiens Noël sur Disney. Il était assis à côté de son papy, puis il regardait la télé. Bon, Greg est parti au potager un tout petit peu. Il continue un petit peu à avancer. Moi, le temps que Léo était là, j'ai fait mon sirop de babeurre. Alors, sirop de babeurre, c'est comme le nom l'indique, il y a du babeurre en fait dedans. Donc, babeurre, les. C'est le reste de la crème quand on fait le beurre. Pour ça qu'on dit bas beurre. Voilà. Donc c'est... moi je l'ai fait avec ce qui me restait de mon... Quand je fais mon beurre, quoi, en fait. Après, en fait, c'est bas beurre, c'est lait battu. Après, il y a le lait ribo. Mais faut faire attention parce qu'il y a des moments, c'est du lait fermenté. On confond évidemment les deux. Donc voilà. Alors, c'est très simple à faire. C'est juste. Je vous ai déjà partagé la recette. Elle est sur le blog quand je vous avais partagé mon mélange à crêpes, pomme cake et gaufres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, vous faites fondre du sucre, vous faites fondre du beurre, vous ajoutez du sucre, vous ajoutez. Ensuite du babeurre et puis un tout petit peu de l'arôme vanille et à la fin on ajoute un petit peu
de bicarbonate alimentaire. En fait, vous allez voir que le mélange va mousser. Vous laissez cuire comme ça pendant une minute. Et en fait, avec l'acidité, ça va monter, ça va mousser. Et ça vous fait ensuite un sirop un peu crème, transparent en fait. Un peu comme du beurre fondu, sucré, un petit peu. C'est parfait pour aller sur des pancakes, sur des crêpes et tout. Moi là je l'ai mis dans un petit pichet, ça sera demain, ça ira parfaitement je pense avec les crêpes mille trous que je vais faire tout de suite, parce que là ma pâte elle a bien levé, il y a plein de petits trucs, donc on va pouvoir lancer la cuisson. Je pense que je vais les faire en mini cette fois-ci, en petit, et je les mettrai de côté. Tout ça c'est pour demain, hein. C'est pour le brunch. J'ai fini mes crêpes mille trous. Hop, j'ai deux assiettes. Le petit sirop qui est là. Je vais attendre que ça refroidisse et je vais les filmer, les mettre au frigo. Et là, du coup, je suis en train de préparer ma sauce bolognaise pour ce soir. Je fais en grosse quantité, comme c'est la semaine prochaine. Je ferai des lasagnes pour leur plus grand plaisir. Ils adorent ça. Ouh, les oignons, qu'est-ce qu'ils piquent aux yeux, c'est horrible. Donc, je la lance comme ça, je vais la faire à la mijoteuse. Ce soir, j'aurai juste à faire les spaghettis. Ça va vite, le temps de faire chauffer l'eau, les spaghettis sont faites. Cet après-midi, on doit aller à Ikea. Je vais aller chercher un truc un petit peu en urgence. En fait, je vais aller chercher la maison pain d'épices qui est dans le calendrier pour dimanche. Ils ont fait la semaine dernière la maison pain d'épices à Lidl et quand j'étais, il n'y en avait plus. J'avais demandé, ils m'avaient dit qu'ils allaient peut-être en recevoir. J'ai été plusieurs fois, c'est pour ça aussi, même hier, on a été voir et il n'y en avait pas. Donc je dis à Greg, bon, écoute, on va aller jusque. Ce qui est Ikea, c'est pas juste à côté de la maison. Donc, mais bon, c'est pas grave, on fera un petit tour comme ça. Donc oui, là j'essaie de carburer ce matin du coup pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Comme ça, cet après-midi. On aura le temps, puis ça sera pas trop la course. Parce que Angel, lui, il travaille ce soir. C'est pas encore week-end pour lui. Mes tapis, je vais aller voir dans quel état il est. Ma bolo est faite. En grosse batch. Et Greg est revenu. Non, bah du coup, j'ai avancé un petit peu. Il me reste 2-3 trucs à faire encore. Je me suis fait un café, j'ai même pas bu. Je vais être froid. Le pire, c'est qu'il va être l'heure de manger. Non, il me restait des épinards d'hier et du riz. Au début, je voulais faire des œufs à la Florentine. Mais vu l'heure et vu qu'on doit aller à Ikea et qu'on veut y aller assez tôt parce qu'on doit aller rechercher Stacy pour 5 heures. Donc, on va manger comme ça. Je pense que je vais faire des œufs au plat et on va manger le riz et les épinards comme ça. Ben, Greg voilà. S'est reposé un tout petit peu, pas longtemps, le temps que je rangeais la cuisine et tout, puis ben là on y va, parce que comme je vous ai dit, on doit aller récupérer Stacy à 5h, donc allez, on y va. T'es prêt chérie? Logiquement ça devrait aller vite. Mais bon, on doit aussi aller faire quelques courses aussi pour demain aussi. Ouais. Ben, on est rentré. On a été récupérer Stacy, du coup on a été à Ikea et on est passé vite fait jusqu'à Auchan pour aller chercher les 2-3 petits trucs qui manquaient pour demain. Alors Ikea, c'est pour le demain, j'ai pris ce que je vous disais. Hop. En fait c'était 3 trucs de Noël achetés, 3 trucs gratuits. Donc du coup Greg a voulu prendre. Alors nous on a pris la grande pour faire ensemble comme l'année dernière. Et Greg s'est dit, ah, on va prendre les petites pour faire aussi avec Loulou quand il viendra à la maison. Donc, ouais, on a pris les petites. Et en fait il y avait les petits biscuits aussi. Donc on s'est pris les petits biscuits. Et comme c'était 3 trucs achetés, un troisième gratuit, on a acheté une bouteille de. C'est pas du vin de Noël là, c'est pas du vin cuit. C'est des fruits rouges en fait sans alcool. On s'est dit qu'on allait goûter, quoi. En fait, de toute façon on ne payait pas, donc on n'allait pas le laisser. Hein, on va goûter, on verra bien. Ça, c'est une bouteille. C'est un jus de fruits. C'est marqué jus de fruits. C'est ouais, c'est une sorte de jus de fruits, ouais. C'est à base de jus de pomme, de citron. Il est marqué derrière. Avec des épices, je pense. Non. Il est marqué derrière. Bon, après, Greg a voulu prendre des bougies qui sentent Noël. Hop. J'ai repris. Alors, la dernière fois, j'avais acheté des tasses comme ça en verre. J'aime bien quand. Je fais des latés ou quoi, de voir les différentes couches. Et la anse.
c'est une cochonnerie, c'est une anse en fait elle est pleine et du coup on n'arrivait pas bien à les attraper. Vous voyez, on ne peut pas passer son doigt comme là quoi, en fait, pour prendre la anse. Il faut vraiment tenir comme ça, donc c'est un peu risqué et ça va vraiment pas bien. Et là en fait je pensais qu'il les faisait plus et là il les avait remis, donc du coup je les ai pris et les 4 autres que j'ai je vais les filer à Kim si elle en veut. Ensuite je voulais racheter une grosse tasse, enfin une tasse comme ça, parce que Greg en a cassé une quand on a mis les autres tasses de Noël et je voulais en profiter en même temps pour en racheter une. Et il faisait les grands formats comme ça, elles sont vraiment grandes par rapport aux autres, c'est pratiquement le double. Je me suis dit plutôt que d'en acheter encore une petite, je vais racheter deux grandes comme ça pour les chocolats des enfants, les chocolats chauds et tout. Et du coup ils font les plus grandes coupelles, en fait vous voyez moi elles sont ici. Bon là c'est les tasses de Noël, mais d'habitude c'est les tasses et je mets les coupelles comme sur la photo ici avec la tasse en fait dedans. Et là du coup moi, il y aura deux grandes et deux petites. Et ensuite Ikea, j'ai acheté un lot de 4 flocons de sel comme ça, c'est vraiment des flocons. C'est naturel, l'autre c'est garlic, donc ça doit être à l'ail fumé et puis je pense que c'est champignon. Avec des champignons, c'est ça hein, le dernier champignons. Bah ouais. Yes, champignons. Je me suis dit pour mettre sur des pommes de terre ou quoi, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ou même sur des petites salades ou quoi. Et ensuite, donc du coup, on a été à Auchan. On a repris du papier toilette parce qu'il reste juste un rouleau. Et on risque de tomber à court demain avec le monde qui est à la maison. On a repris du produit pour les toilettes, du jus d'orange, du brie, du jambon. Et j'ai repris des œufs pour faire des œufs brouillés demain. Donc voilà. Oui, chérie. Le jus d'orange, c'est pour moi. Le jus d'orange, c'est pour toi. Oui, moi, je vais faire du jus d'orange frais. Pour toi, dimanche. Oui. Oui. Ouais, en fait, Greg va devoir aller bosser dimanche de nuit. Il y a un souci au travail et il doit aller pour voilà. Mais de nuit, hein, c'est vraiment, c'est pas les horaires de nuit. C'est il va commencer à 1h du matin pour finir à 9h quoi en fait. Mais bon, hein. Allez. Du coup, il y a eu une journée aujourd'hui. Il y a plus sa journée aujourd'hui, mais pour travailler dimanche. Donc c'est pour ça il a pris du jus d'orange pour pouvoir tenir, il va carburer au jus d'orange en fait. Parce que là comme je lui ai dit, putain, 1h du matin là c'est vraiment en pleine nuit, c'est pas comme quand on commence à 5h ou qu'on fait, là il va dormir et il va se réveiller en plein milieu de sa nuit quoi en fait, voilà. Je sais même pas si je vais dormir. Bah si, il faut quand même que t'ailles dormir. C'est peut-être mieux que j'aille pas dormir. Bah ouais, et après. Non, mais à des moments, tu te réveilles à 2h du matin, Greg, et t'arrives à tenir. Donc je pense que ça serait plus simple quand même que tu te réveilles à 1h du matin. Enfin, non, il faut que tu te réveilles à minuit, ouais. Tu vois, t'as 1h du matin au travail. Ouais, donc il faut que tu te réveilles à minuit. Minuit, ouais. Il faut qu'on aille dormir super tôt, quoi, en fait. Faut que t'ailles dormir super tôt dimanche, quoi. Enfin, samedi. Ouais, 18h au lit. Demain, on va au marché de Noël. Ça me dirait qu'on sera rentré à 18h. Bon, bref. Ouais, ça continue la petite touche de rouge du coup sur la table. Alors je sais pas si elles sentent beaucoup. On les a déjà achetées les bougies à Ikea? Bah oui. Ouais. On a acheté plein à Ikea. Ah oui, c'est vrai. Mais là du coup ouais, je vais garder les petits pots. En fait ça fait des beaux petits pots après. Quoi? Ça fait des beaux petits pots après. Des verrines. Pour mettre. Chercher 6 bougies pour les voilà. Il a tout compris. Je vais lui faire chercher des six plein pour en avoir plein. Non mais ça fait style pot yaourt après. Bon, ce que je vais faire, Greg va jouer un petit peu. Moi, je vais me mettre un petit peu sur le PC, bosser un peu en attendant que je puisse faire les pâtes. Vient d'ouvrir la case. Alors dans la case, il était écrit encore 15 jours, un biscuit de Noël pour patienter. Je vais chercher dans mon petit sac. En fait, j'ai un petit sac. Elle joue jeu hein, parce qu'elle va, il est là à portée de main et elle va pas dedans. Elle aime bien avoir. Elle sait hein, parce que tout à l'heure on en discutait. Elle sait très bien ce qu'il y a dans les cases et tout. Parce que ça revient pratiquement au même tous les ans. Mais elle sait pas quel jour ça vient. Hein, elle sait pas. Voilà. Donc oui, elle comptait. Du coup, elle me dit 15 jours, c'est déjà dans 15 jours Noël. Et oui, c'est déjà le 24, c'est déjà dans 15 jours. Donc du coup, biscuit de Noël, chérie. T'es prête? T'essaies pas de brûler.
C'est quoi? C'est des spéculoos. Ah. C'est des spéculoos avec une fine couche de chocolat au-dessus. En Belgique, ils font souvent ça. Alors, je dis spéculoos, mais en fait, ils ont changé le nom spéculoos. En fait, maintenant, ça se dit biscoff. Ouais. C'est quoi ce nom, biscoff? C'était plus joli spéculoos, quand même. Ouais. Puis le spéculoos, c'est le spéculoos. Pourquoi ils ont changé, ils ont mis biscoff? Pourquoi ils ont changé? Ouais. Biscoff. Il y a deux mois, ils ont des idées, franchement. Hein. J'ai mon fils qui vient de rentrer de vadrouille et il a acheté un bouquet de fleurs à sa mère. Hein? Pour voilà, sans aucune raison. Adorable, hein? Il est gentil. Il y a quelque chose à se faire pardonner ou il y a quelque chose à me demander? Non. Non. Bon, on va trouver un vase. Il est beau en plus, il a bien choisi. Wow. J'étais en communication avec Kim. Elle a commencé à mettre sa déco de Noël et en fait ils hésitaient avec Léo, mais comme ils voient qu'ici ils touchent pas, bon c'est plus Noé. Mais comme elle a dit, je vais mettre un mini sapin, un petit sapin, enfin pas un mini, mais une taille normale, mais elle va le mettre en hauteur, comme ça il touchera pas trop. Mais tout ce qui est guirlande et tout, Léo ne touche pas et tout, donc du coup elle est en train de mettre et Léo il est là. Waouh. Je suis en train de faire mes spaghettis pour ce soir. En fait, ça va vite. Le temps que vous les faites, ben, l'eau, elle est en train de bouillir. Il faudrait que même que c'est Greg qui l'a préparé. T'as pas mis de couvercle, chérie? Ah, merde. On dit aux yeux, il connaît pas, lui. Hein. Hop, il est en train de jouer à la PS. Je vais aller m'installer après avec lui. Petit cocktail vendredi soir, c'est week-end. Hein. Hop, je me suis fait un tequila sunrise. Hop, bientôt fini. On va manger. Les pâtes sont cuites. Et par contre, la bolo, on va servir là-bas parce que le plat, la mijoteuse, elle est pleine de chez pleine. Donc on va directement se servir ici. Et bien, bien. Voilà, pour éviter les dégâts. Hop. Oh. J'ai commencé, enfin, on a commencé hier avec Stacy le petit diamant de pin, peinture diamant. Et tout à l'heure, Greg était en train de jouer. Moi, j'ai continué un tout petit peu. Je pense qu'il risque d'être long quand même à faire, hein, parce que il y a pas mal. De petits. En fait, c'est beaucoup d'endroits, vous voyez, là c'est toute la même couleur. Donc, ouais, ici c'est la même chose, il y a juste quelques petits trucs, mais du coup, ouais. Mais j'aime bien faire ça, moi. Je trouve ça me détend, en fait. Limite, je préfère ça qu'un puzzle. Et pourtant, j'aime bien le puzzle, hein, mais ouais. C'est moins. On doit moins réfléchir, en fait. Il y a juste à faire. Puis ce que j'aime bien, c'est que ça m'occupe les mains le temps que je fais autre chose. Comme là, ben, je peux regarder la télé, en même temps, je fais ça. Comme hier soir, c'est ce qu'on faisait. Avec Stacy, on faisait ça en même temps, on regardait la télé. Stacy aussi, elle aime bien faire ça. Ouais. Allez. T'as mis le parmesan, chérie? Ah, il y a un truc à râper, là. On a fini de manger, on va s'installer. Enfin, moi je vais finir de monter la vidéo puisque demain matin j'aurai pas le temps. Continuez à répondre à vos commentaires et puis on va continuer à regarder. On est en train de regarder la famille Close. Le 3. On a regardé les deux. On avait vu les deux premiers, là on est en train de regarder le 3. C'est une jolie histoire de Noël. Une histoire familiale qui change un petit peu des films de Noël qu'on a l'habitude. C'est moins gnon, c'est moins. Et ouais, là c'est plus sur l'histoire de famille, quoi, en fait, voilà. Vraiment. Ben, allez, je vais finir de bosser. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour un week-end. Alors, pas demain, non. Pour vous, demain, on est dimanche. Il n'y a pas de vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Par contre, on se revoit lundi pour un week-end vlog. Du coup, demain, je vous emmène avec nous au marché de Noël de Bruges. Allez, bisous, à demain. Enfin non, à lundi. J'ai du mal, hein. C'est parce que c'est tellement habituel de vous dire à demain que...